Bazungay, eh oui, tu es dans mon stream. Eh oui, il fait tout noir. Et oui, on va tester un jeu en VR. Et un jeu qui n'est pas nouveau en fait, c'est The Last Guardian. Alors aujourd'hui, j'ai sorti la totale. Je sais pas si mon audio passe du coup. Moi, j'ai le retour dans le casque, donc je suis ailleurs. Si vous m'entendez pas, bah, vous ratez pas grand-chose. Je pense que ça devrait être sympa comme expérience. Si vous m'entendez, bah, je vais me permettre de raconter quand même ce qui est ressenti, parce que Last Guardian en VR, on l'attendait pas vraiment, et c'est un petit bonus là qui est en dispo en téléchargement gratuitement, et accessible donc à tous les gens qui ont un casque chez eux pour essayer ça sur la PS4. On y va, je suis impatient. Hop, si on verra plus tard, on s'en fout. Je fonce tel le gourmand qui a repéré un gâteau. Ok. Où qu'il est le Yuki? J'ai une scène d'intro où je suis directement avec le Yuki. Oh. Ah, yes. Ah merde, ça va être des déplacements par téléportation. Oh putain, non. Je suis déception. Hey! Comment ça va là-haut? Bien? J'ai apporté des trucs à bouffer. Ah, tu descendras pas. Ok. Bon. Ça fait plaisir quand même de te retrouver, vieille bourrique. Allez. Eh ben, je vais me déplacer, hein. Sérieux, j'ai même pas un vrai déplacement. Alors, c'est un choix, j'ai un peu de mal à le comprendre. Il doit y avoir une raison. À part le motion sickness, je pense. Hein. Attends, parce que quand je lève ma tête, j'ai le casque audio qui se barre. Ok, bah on va faire comme tu dis. Ça fait bizarre de se retrouver dans un endroit supposé connu, mais... Mes actions, les gars. Non, j'ai pas dit ça. Oh là là, ça commence par du boulet mode. C'est quoi cet interfaçage de cagage? Se déplacer. Ouais, bah je veux bien me redéplacer, gars. Je vais quand même pas marcher dans l'appart. Fait 2 heures que je t'appelle. Et attention où tu sautes. Oh mais c'est mon gros machin de 8 mètres. Alors là, l'effet en VR est bluffant. Les gens qui ont déjà fait un câlin à un cheval comprennent ce qui est ressenti, à part que là, le cheval fait ben un petit peu plus, hein, un peu plus imposant quand même. Non, non, pas, et t'as des griffes, c'est mal. Pose la patte, pose la patte, pose la patte. Tu veux quoi? Tu veux que je monte? Alors, qu'est-ce qui m'est proposé? Ouais. Eh, mais oh! Salopard! Attends, les prochains, je les lance, tu vas encore me baver dessus, sinon. Joli! Un autre power out? Allez! Joue pas avec la nourriture. Presque, hein. Alors, ce qui est bizarre, ah là là, les. Eh oui, eh oui, eh oui. Faut se tourner avec la manette, c'est un peu pénible. Kiki, ce qu'on va faire? Je peux plus ramasser ça? Non, ne va pas là-haut. Non, ne. Ok.
Ah. C'est quand même dommage qu'on puisse pas réellement se déplacer, vrai de vrai, quoi. T'es une brave bourrique. Tiens, cadeau. Ouais, tcholai. Attention, je complique un peu. Là-bas. Ok, je te vise. Oh là là. Allez. Bon, moi, je me propose d'aller là-bas. Ah, je suis vraiment pas copain avec les jeux qui optent pour cette solution de déplacement que je trouve vraiment pas adaptée à la VR. Bah, parce que ça coupe toute l'immersion, d'une part. Et d'autre part, Kiki. Et d'autre part, c'est lourd. C'est super lourd comme principe, quoi. C'est un peu moche l'écran noir pendant la scène intermédiaire. Gouin, pour là. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, va choper le truc. Chope le truc là. Là, 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 là. Là. Ouais, presque. À tes pieds, à ta droite. Regarde. Tu me proposes une partie de bridge. Ouais, mais t'as amené des cartes. Voilà, dès qu'on parle de trucs intelligents, tout de suite, il n'y a plus personne au guidon. De toute façon, on m'avait prévenu qu'il ne se serait pas amélioré avec la VR. Hein. Pousse-toi devant mon curseur. Ah, là, tu m'emmerdasses. Il veut que j'aille où à partir d'ici, ces arbis? Oh putain, que c'est triste de pas avoir les déplacements libres. Hop. Vas-y, debout. Deux. Bou. Yes. 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 Oh, les fées. Je comprends mieux pourquoi il y a des déplacements par à-coups. Le petit saut sur le dos d'Ico, ça m'a un peu zblub. Alors, c'est quelle partie ça? Oh putain. Donc je rappelle aux personnes qui découvriraient mes streams que je ne suis absolument pas victime du... Non, j'y vais pas. Du vertige. Non, j'y vais pas là. Ah bah non. Non mais pas moyen. Regarde déjà là, je me chie dessus. Mais alors là, dessous... Non, me pousse pas toi. Putain, si tu me pousses, je te mets un taquet. En plus, c'est le passage qui ne s'écroule pas, j'ai l'impression. Hein, parce qu'on a bien repéré que ça avait l'air très très solide. Ah, je vais dégueuler. Non! Alors ça, c'est ce qu'on appelle une torture pour une personne qui a le vertige. Putain, en plus, il y a des vibrations dans la moinette pour me rappeler que ces structures ont l'air d'une solidité à toute épreuve. Je vais me chier dessus. Regarde en haut. En haut, c'est bien. Ouais, c'est bien en haut. Ah. En bas, non. Non, regarde pas en bas. Va falloir faire demi-tour là, par contre. Regarde pas en bas. Et... Regarde, j'ai l'air super rassuré. On va faire une cascade. Tu te rappelles? Comme on avait fait la première fois. Oh, je vais dégueuler, ma race. Attends-moi. Hé, pépère. Ouais, je sais, t'es à l'aise, toi. Donc là, je t'explique.
Je vais sauter dans le vide. Et tu vas me rattraper pendant que je vomis. Putain de bordel de merde. Oh, c'est dégueulasse. Non. Putain la capuche. Eh ma capuche. Il va tout me niquer mes affaires. Non, ne bouge pas comme ça. Ne bouge pas comme ça. Je t'interdis. putain. Oh. Alors le truc qui serait sympa dans le jeu là, c'est qu'il y ait une sonde branchée sur mon rythme cardiaque. Pour vous confirmer à quel point je me sens en sécurité et détendu. Et que je n'utilise jamais de cynisme. Ich. Oh là 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 là. Non, regarde pas là-bas. Quand tu bouges, c'est encore pire que tout, Kiki. J'ai un truc qui me rentre dedans, Putain, mais Magne. Magne. S'il te plaît. Du premier coup. Non. Non. Tu avances, t'es bien là. Allez. Yata. Oh. Oh, la terre. La terre ferme. Attends, je descends pour célébrer ça. Faut que je fasse un bisou à des cailloux. Les cailloux, je vous aime. Non, y'a rien là-bas, y'a rien. Je veux pas le savoir. Je veux aller là-bas. Ouais, tranquille. Ça, c'est la différence entre les êtres vivants qui n'ont pas d'ailes et ceux qui en ont. Hein? On peut dire ça. Allez, on va là-bas. Oh putain, les salauds, cette mise en bouche. Je commençais à être chaud là quand même, j'ai passé un passage bien dégueu. Pourquoi on n'a pas tout le jeu du coup maintenant? C'est l'amuse-bouche pour nous vendre une extension payante? Ou y aura-t-il cette joyeuse surprise apportée aux joueurs? La question reste en suspens. Ah bah voilà, je suis bien content d'avoir partagé avec vous cette petite démo. J'espère que ça vous a plu aussi, que j'ai pas trop été intenable dans mes transpirations de vertige. On se retrouve comme d'hab sur les réseaux pour un petit nouveau stream sur absolument je sais pas quoi. Si, j'ai une petite idée. Il y aura encore des gens en état de décomposition après la mort. C'est un gros indice que je vous donne. Et ce sera avec la team tous à poil. Je l'annonce d'emblée. Des bisous, encore des bisous. Si quelqu'un peut ramasser les sacs à mes pieds que je viens de remplir quand même et les porter à la poubelle, ce serait sympa. Bonne soirée.